RFI et France 24 présentent. Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Le jeudi 13 juin dernier, vous le savez, l'équipe de Légendes Urbaines s'est rendue à Brazzaville afin de remettre le légendaire prix découverte RFI 2023 à la rappeuse Jessie B qui en a profité pour faire un concert à l'IFC devant plus de 3000 personnes. Personne. Et évidemment, nous n'avons pas pu nous empêcher de convier à cette grande fête la crème du rap game congolais. Au programme, Kossar et Flatboy, Zuko Yadeblé, Nick Sozaï et Maralba Maléchek. Coute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine. Si je devais décrire la raison pour laquelle nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui en une citation, je dirais « Soki olingi oyeba ekolo yoka bamindule na bango ». En d'autres termes, si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Et quel incroyable niveau qu'est celui de la musique du Congo. Ils ont clairement plié le game, tu peux pas test. Ici les artistes, ils sont prêts depuis des décennies. Leur rumba et Dambolo rayonnent de par le monde et influencent les mélomanes de tout horizon. Preuve en est, leurs sonorités sont même entrées dans le patrimoine mondial de l'humanité. Le game est au garde-à-fou. Clairement, dans l'ère 2.0, c'est le rap qui prend le relais. Et encore une fois, le Congo et sa diaspora influencent, donnent la tendance. Et dans l'Afrique, ça fait du bruit. Jusqu'aux plus hautes sphères. Pourquoi ? Eh bien parce que... Le son, il est gang. La mélodie, elle est gang. Et leur flow aussi. Tellement créatif que certains ont créé de nouveaux styles musicaux du genre... Même les Mundele sont matrixés. Et la famille, y a quoi dans votre ADN au juste? C'est comme si tout le monde ici savait danser, chanter, rapper, jouer de la musique, je comprends pas. Du coup, pour nous, obligés de venir vous célébrer ici et maintenant à l'IFC. Allez l'équipe! Il est temps qu'on passe à l'action. Hé, hey, Braza, vous êtes toujours là ou quoi? Je sais qu'il y a des petits problèmes de bus, mais vous êtes toujours là ou quoi? Bon, hé, on a fait vite. On a changé de vêtements, ok. Bon. Eh, les filles. Si je vous dis que je reçois un duo de choc. Pardonnez-moi pour l'accent. Hein. Si je vous dis Mufingiling. Si je vous dis Nibeto. Si je vous dis des millions de vues. Des dizaines de millions de vues. C'est un truc de fou ce que les gars sont en train de faire en ce moment. Vraiment, c'est un vrai rap 2.0 qui n'a rien à envier au reste du monde. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Monsieur Kossar et Flatboy, s'il vous plaît. Hey. Comment ça va les gars? Non, ça va tranquille et toi? Ça va bien? La forme, ouais, tranquille, la forme. Tout à l'heure quand j'ai dit Kossar et Flatboy, il y a eu un bruit d'un autre monde. Bon, on va se poser quelques questions rapidement. Ok. L'essentiel c'est le live aussi. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que aujourd'hui, en 2024, mais même depuis toujours, c'est rare les groupes de rap. Dans les années 80-90, oui, mais aujourd'hui il n'y a plus vraiment de duo, tout ça, c'est... Comment vous avez décidé d'être ensemble? Déjà, si on s'est rencontrés, c'est à travers un ami. On avait un ami en commun. À la base, lui, il écoutait des âmes et sons parce qu'avant, j'étais en solo. Et quand on me l'a présenté, quand je l'ai écouté rapper, je me suis dit non, c'est un putain de rappeur. Il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et quand on a fait un truc ensemble, premièrement, on s'est dit il faut qu'on fasse un deuxième truc, un troisième truc, ainsi de suite. Et vous étiez plus fort ensemble. Ça a créé le duo Kossar et Flatboy. Et on s'est rencontrés lors d'un freestyle. C'est un freestyle qui nous a réunis, les gars. Il est venu me trouver en train de répéter sur une prod, et courageux qu'il est, il voulait m'allumer sur ma prod. Ha! Et on a fait un face-à-face, c'était chaud. Et au lieu de faire un clash, vous vous êtes associés. Ouais, c'est clairement. Ça, c'est de l'intelligence artistique. Les gars, dans votre rap, vous êtes très internationaux en fait. Très congolais, mais finalement, il y a plein d'endroits. Si je vous connais pas et que je sais pas que vous êtes de Brazzaville, je peux me dire que vous êtes de banlieue parisienne. Est-ce que c'est un truc que vous travaillez?
Ouais, bien évidemment qu'on y travaille parce que au début, on faisait du rap totalement français, on était totalement influencé. Mais à ce niveau où nous sommes, on essaie de faire un brassage, vous voyez un peu, essayer d'intéresser le côté européen, mais toujours rester tout en restant congolais. Voilà, ouais. C'est ça. Voilà. Quelle est la diff pour vous entre le rap du Congo et celui du reste du monde? Moi, je pense qu'il n'y a pas, vraiment une grande ou grosse différence dans tout ça. Le truc, c'est que c'est des mots en fait seulement, le jargon, le lexique qui change, les réalités aussi. Sinon, c'est le hip-hop, hein, ça change pas, c'est partout comme ça. Hein. C'est universel. Les réalités aussi sur tout ça. C'est vrai. Vous avez explosé les scores très très vite. Comment vous le vivez? Parce que c'est encore... c'est subit en fait. Vous avez beaucoup travaillé, mais c'est quand même arrivé relativement rapidement. Non mais après, tu sais Juju, les gens ne voient que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais avant, on faisait aussi. Mais juste qu'il n'y avait pas de lumière. On était dans l'ombre. Maintenant qu'il y a la lumière, on essaie de faire encore plus. Aujourd'hui, on a fait le million, mais pourquoi pas le milliard? Donc voilà. Ouais, c'est ça. On lève la barre. Vous allez nous interpréter Godo Godo, qui est en fait un remix d'un titre de Fjord de Björk que je salue au passage s'il nous voit. Parce que vous le bon Barada, le bon Chingon, le Gadavi, Mamavi, le Sou Alélé. On est diffusé dans le monde entier et y compris à Abidjan. Donc gros big up à Fjord de Björk. Les gars, votre mix, il a plié le game. Il a tout cassé. Hein. Fjord de Björk vous a appelé? Bah... Tu sais, Juju, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'étais fan de Fjord et lui, il aimait pas la musique de Fjord. Bah, c'est un peu vrai. Je lui cassais les couilles avec. Hein. C'était la folie. Je te jure. Quand j'écoutais du Fjord, lui, il était là. Ah, Tika Maramo, Zoyokana, Obuzoba. Mais après... Traduction. En fait, je lui disais tout le temps, mais c'est quoi cette musique? Mais peut-être qu'il faut pas faire de... Non, on oublie la traduction. On est diffusé dans le monde entier. C'est mieux, on veut pas de problème. Fjord de Björk, One Love, on est ensemble. Elle est où ma caméra? Super. Donc du coup, quand il a fait le morceau, je me suis réveillé un bon matin, je l'ai vu. Je me suis intéressé, je suis tombé sur l'instrumental. J'ai essayé de faire un petit refrain. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mon gars, j'ai un truc. Vu que le son, il est en actualité, on fait un petit remix, vite fait, pour voir ce que ça va donner. Vite fait? Voilà, des c'était pour voir. À la base, c'était ça, hein, un petit truc vite fait. Pour mais voir. Le lendemain du post... On n'était plus les mêmes Toute personnes. La Côte d'Ivoire avait diffusé. Hein. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que, je veux le dire au reste du monde, c'est que quand sur YouTube, tu fais 1 million de vues, y a beaucoup, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, en Afrique, les gens téléchargent et font tourner sur les groupes WhatsApp. Donc en fait, quand tu fais 1 million de vues, ça veut dire que tu fais 20 millions de vues en réalité. Non, mais wow. C'est vrai. Et en fait, c'est très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Occident qui nous voient. Et il faut qu'ils comprennent que vous faites exactement les mêmes scores. C'est juste qu'en fait, ils sont notés différemment. C'est un énorme banger, vous en avez plein d'autres. La famille, suivez Kossar et Flatboy parce que c'est quelque chose. Messieurs, je vous invite à faire du live. Merci beaucoup. Posez vos micros, on va vous en donner d'autres. Yeah! Hey, la famille, est-ce que ça va? Ouais, ça va par ici? Est-ce que ça va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les gars, c'est pas pour nous, c'est pour Juliette. Elle vient de loin. Hein? A Kogaro Sapé crash à Koufi. Vous comprenez? Donc bon honoré. On refait, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà. Maman reprend la bino. Et ça va plaisir. Dieu! Maman Nicolas, s'il vous plaît! On y va! On y va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8! Sia! Tout le monde! Ya! K-O-S-A-R, Flatboy et sa plein trou! Remix! Ça veut dire quoi, les gars? Si c'était la terre, mais moi je vais la draguer. Elle kiffe les gars comme Davido, mais moi je suis fond. Donc c'est Godo Godo pour la vie. 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 Donc ça fait quoi, Colo? Maka. Mélissa. Maka. Abidjan c'est la rue, princesse ici à Brazza c'est la rue. Maka. Quoi, Colo? Maka. Mélissa. Maka. Abidjan c'est la rue, princesse ici à Brazza c'est la rue. Maka. Brasa à Babi, c'est du bon baladin, on va kicker. Allumer le caca de bébé, Brasa c'est gâteux, je vends plus mon briquet. Elle est bête, hein. La somme est ma sangana, damage, elle veut pas fiancer. Elle est bête, hein. La somme est ma rabille, on va 1, 2, 3, fais sangana.
t'en a ouïsa. Sachez, elle adore quand sa tête sont coinchées. Donc ça fait plus que tête. Les voisins sont fâchés. Mais ça m'a t'en a ouïsa. Sachez, elle adore quand sa tête sont coinchées. Donc ça fait plus que tête. Ici, les voisins sont fâchés. Ça fait quoi colo. Même un abriqué la pélissa. Ça met la vidéo de Bixa. Brasa. Là-bas ça t'est gué. Ici c'est Kwanga. Paysan, babou et abat jeune, bon n'a pas papa. C'est le godo godo pour la vie, donc elle aura le goro goro dans la nuit. Elle dort pendant le jour, donc elle vivra que dans la nuit. Tout le monde, mon lit, mon zambé, Zoto et Aleda. Il a cassé que son monde en a t'aimé bas. Yaya Basomba, 1, 2, si c'était la dièse, mais moi je vais la draguer. Équipe les gars la vidéo, mais moi je suis fond. Donc c'est godo godo pour la vie, godo godo pour la vie, godo godo pour la vie. Tout le monde, donc ça fait quoi, Colo? Baka! Pélissa! Baka! Abidjan, c'est la rue, princesse, ici, à princesse, c'est là! Baka! Quoi, Colo? Après, changer de cadence à la fin! Baka! Abidjan, c'est la rue, princesse! Ok! Baka! Moi, Naba, toi, Salonini! Yeah! Mon bambo, Azo, Sala, Eskaibi! Yeah! Aseka, Kana, Boutou, Esko, Monet! Yeah! Bambo, Nabo, Bambo, Nabo, Topessa! Yeah! Tout le monde! Elle vaut tout! Chez elle, y'a tous les goûts! C'est plus bon que le poulet, tu connais pas, mais c'est tout, elle vend tout. Chez elle, y'a tous les. C'est plus bon que le poulet, tu connais. Tout le monde, 1, 2, 3, Moussou Nassé. Iboulou. Nalia Moussou Nassé. Et tout l'été, Fripa. Toké, Moussou Nassé. Iboulou. Ma Jiju, Alia Moussou Nassé. Fripa. D'abord, on voit la vidéo. Du bruit pour que ça réplate pas, s'il vous plaît. Eh, quel... les gars sont... ça danse, ça chante, c'est... Ça les gars, bouge, hein. Petit rituel quand même dans les légendes urbaines. Ouais. Qui consiste à passer un message universel. Tu connais l'émission. Ouais. Parce que comme je dis toujours, on est suivi dans le monde entier. On est ce soir à Brazzaville. Mais on est aussi ce soir à Abidjan, à Paris, à Londres, aux États-Unis. Quel serait le message universel que vous voudriez passer? Bon, après, Juju, vous savez, on est humain. Ah, tu me vous vois maintenant. Après, Juju, tu sais, on est humain. Il se passe pas mal de choses dans le monde. Et ce que Kossar et Flatboy, ainsi que toute notre équipe souhaite, c'est qu'il y ait la paix dans le monde, Juju. Je jure, tellement. C'est qu'il y ait plus, de famine. Que les gens ne meurent plus de faim, qu'il n'y ait plus de guerre. À la place d'investir dans les guerres, investissez dans les concerts. Merci. Invitez Kossar et Flatboy, même aux États-Unis. Qu'il y ait la paix, Juju, c'est tout vrai. Ce qu'on souhaite. Que Yadou ne coupe plus le courant. C'est une bonne idée aussi. Carrément. On a pris un peu de retard, j'avoue. Merci les gars. Eh l'équipe. Prochain invité a plus de 10 ans de rap derrière lui. Il fait partie du collectif Bass Supermans. Il a fait... Mais attendez. J'ai encore une surprise, moi, pour vous. Pourquoi je me lance comme ça, là? J'ai une surprise pour vous. Je vous l'ai dit, j'avais des surprises toute la soirée pour vous. Ici, là, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de passeport. Il n'y a que de l'amour. Ouais, le gang, ça dit quoi? C'est SDM, je sais que les gens de Urbaine et au Congo en ce moment, donc voilà, les Brazzavillois, les Brazzavilloises. C'était un petit message pour vous faire un gros big up, grosse casse-dette. Je sais que c'est vous, ça rappe fort aussi, donc grosse force à tous. On est ensemble comme jamais, on s'attrape. Tata Juju, bisous, grosse force, on ensemble le gang. Ocho! Ocho! Du bruit pour SDM, s'il vous plaît, la famille! C'est quand même la classe, vous avez SDM, vous avez Nino, vous avez plein de gens qui vous envoient des petits messages quand même. Hein? Ok, quand je vous dis qu'on est ensemble. Et l'équipe, si je vous dis ni Beto. Remixé plus de 65 fois dans le monde entier, c'est une dinguerie. Le monsieur vient d'un collectif de... d'Avengers, de Superman. En fait, c'est un super-héros.
Et un super-héros qui exerce depuis plus de 10 ans. Faites du bruit pour le frère Zuko Yadeblé, s'il vous plaît. Zuko, si c'est pas la classe, ça. Voilà, le Congo. Zuko! Gigi! Oh, tu sais pas, bande de gros maman. Banani que Zola ka Juliette. Banani que Zola ka Gigi. Maboko pour na Juliette, s'il vous plaît. Comment ça va, Zuko? Ouais, ça va, Gigi. Zuko, t'as la classe mondiale. Ouais, c'est... Voilà, là, là, quand je vois Zuko, je sais, je suis au Congo. Voilà. C'est la sapologie, c'est la science. Yes. Yes. Non, on appelle ça... Non, on appelle non ça je sais nous, que c'est scientifique. C'est scientifique. Je vois les couleurs, les trucs. Personne ne peut tester ça au Congo. Aïe. Les gens ne peuvent pas tester la musique, mais ils ne peuvent pas tester la sapologie aussi. Hein, non, franchement. Ici, il n'y a pas mal. Non, 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 vous êtes des scientifiques. Mon frère, long parcours. Yes. Beaucoup, 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 beaucoup de concerts. J'ai parlé évidemment de tes streams, de tes vues, parce que c'est assez incroyable. Yes. On t'a vu à la Cannes d'Abidjan. T'es tout terrain et j'ai le sentiment que finalement la scène, c'est un truc qui est prédominant aussi chez toi, qui est hyper important, les concerts. Ouais, ouais, c'est hyper important les concerts. Déjà j'ai commencé, ça fait très longtemps, comme d'autres artistes. J'ai commencé il y a très longtemps et c'est par rapport à mon premier single, Nibeto, que je suis rentré définitivement dans le professionnel, quoi. Après, les concerts, c'est par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à la chanson, et on m'a invité presque partout, 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 partout dans le pays, et c'était comme ça. T'as fait les premières parties de Maître Gims, t'as fait plein de choses. Quel est le concert qui t'a marqué le plus? Pardon? Quel est le concert qui t'a marqué le plus? Bon, le concert qui m'a marqué le plus... Ah, il y a eu beaucoup de concerts. Il y a eu beaucoup de concerts, il y a eu trop de concerts que j'ai aimés. Trop de concerts que j'ai aimés. Je crois que c'est le dernier concert que j'ai fait. Le dernier que j'ai fait à Pointe-Noire, à la plage. Ouais. Déjà là-bas, ça fait un moment que je chante plus seul. Je chante avec le public. Donc quand je monte directement comme ça, là, je tends le micro et c'est le public qui chante. Donc c'était pour moi, c'était énorme, j'aime ça. C'est une vraie belle reconnaissance. C'est vrai qu'en plus, ça doit être tellement d'énergie et tellement... Et Pointe-Noire, ouais, sur la plage, ça doit juste être une dinguerie. T'as un style de voix particulier? Tu me fais penser parfois à Koba Ladé, ah en bon. Fait. Et c'est un compliment parce que j'aime beaucoup Koba. Tu utilises beaucoup l'humour pour passer des messages, le cynisme. Et en même temps, t'es encore une fois un scientifique, c'est-à-dire que tu rappes, mais tu mets aussi beaucoup de musique traditionnelle, en fait, dans ton rap. Comment tu réfléchis tout ça? Comment tu travailles tout ça? Déjà, quand j'ai adopté ce style-là, cette façon de rapper, je ne pensais pas à Koba, ni à Young Thug, comme certaines personnes le disent. C'est vrai aussi. Oui, les gens ils disent ça, mais quand moi j'ai commencé avec ça, je ne pensais pas. Et c'était une couleur validée par mon frère Lema. Il est à Pointe-Noire en ce moment. Et je suis allé avec ça. Déjà, l'humour, je sais que le Congolais, il aime rire. Il aime ce qui fait rire. Et je profite derrière ça pour passer mon message. Voilà, parce que je ne suis pas obligé d'être sérieux tout le temps, en costard, je ne sais pas comment, pour passer le message, dire, prendre les versets bibliques pour que les gens puissent écouter. Non. Donc, moi, je fais avec ce que je peux. Donc, je balance l'humour un peu. Et voilà. La culture, déjà, moi, je suis Congolais. J'aime tout ce qui est traditionnel. Parce que j'ai grandi un peu au village aussi. Donc, Talaga Gandhi, Baloba, Chebiso, quoi. Ma cadre. Et tu mélanges le tout et c'est magique. Oui. Et c'est vrai. Et tu sais, utiliser l'humour pour passer des messages, c'est très intelligent. On dit souvent que l'humour, c'est l'intelligence qui s'amuse. Mmh. Tu vas nous interpréter le titre Piment. Yes. Et j'aime bien parce que Piment, c'est un peu gang. Et à côté, tu sais faire Tu l'aimes, tu vois, un titre de Zucker, quoi. Je te trouve très objectif, finalement. Tout le monde prend cher, en fait, finalement, dans tes chansons, en fonction des titres. Déjà, tu l'aimes. Bon, on va commencer par Piment. Piment, c'est l'histoire d'un gars qui gère pas sa petite amie.
Donc la petite amie, elle était à fond avec le gars et le gars, il fait n'importe quoi à la fin. Voilà, donc c'est ça. Puis je crois qu'elle est pas très... Elle est agitée, la petite amie, si j'ai bien compris. Elle était agitée avant. Elle était... Et... Tout le monde fait des erreurs dans la vie, tu vois. Ouais, avant, elle était comme ça. Et puis, elle a changé. Parce qu'elle gère son gars, elle prend bien soin de son gars et tout. Et puis, le gars, il a déconné. Après, tu l'aimes, c'est pas une chanson officielle. C'était un cadeau que j'ai fait à mes fans pendant le 14 février passé. Magnifique. Mon frère, je te laisse faire le live. Merci Simon, c'est parti. Merci Zouko. Du bruit pour Zouko, il y a des blés, s'il vous plaît, famille. Du soupe à bande de gobaman. Mikolonia Soka Shiba. Pas un comportement chinois. Je vous laisse. Gigi. La vie ne fait pas le moine, mais défilez les. Payé avant d'être servi dans un sac ou bassinant, mais là, au fêlé. Je n'ai pas m'affiché mes luttes, ma télé. Mon tambour est venu, mais tout cas, t'as pas un taxi, t'as pas qu'est serré. Bon, hola ma copa. Comment on t'appelle? Je vais direct, je vais de ripa. Comme on engaïs ou quoi, de blé. Je suis rentré ce mois la semaine dernière. Oh, mon gars, ça en a total. Rien à bouder, t'as le bova. Mon gars, rien à Dubaï, rien à douter, t'as l'iconda. Mon avanceur que quoi en a Chine, ça n'a pas d'achat. Les tous toujours à Brazzaville, qui habite, tu connais déjà. Bon, mon gars, vous n'avez pas mon retour, mon gagné Iki. Y'a que vous, mes colonies sont qu'à Shiba. Un jeune comportement chinois. Ma sœur, j'explique, ban à Kema. Moi, c'est ça, trafiquer, Téma, et bien là, ma photo dans l'hôtel. Je suis le petit d'un tel. Fanny Faya, c'est ma mère. Est-ce que tu sais que je suis bon? Allons, Zambé. Je fais la musique depuis des années. Naomi, ça y est, est-ce que vous avez vu que laka? Bah, Lukaka, Zoukoua, Daye, Bana Tula, Moussing, Nalaka. Bon, mon même pas occupé, Zoukoua, de Blazaka, Okike, Moukéman, la vie. Non, je suis fait un délai. Donc, papa, Fungu, Bapon, Moukota, Peso, Akop, Moussala, Nasunga, Libota, Balé, Bakuja, Pouakan, Tokinango, Pimo. Papinoza na yebita, makongo kitu. École. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hier c'était ta petite, c'était une pire folie. Mais quand on t'a dit que la go faisait ceci, t'as pris ta décision sans même l'écouter. Qu'elle font les piments, qu'elle fait la bordellerie. On t'a dit qu'elle font les piments. L'oiseau est papinotaire, mais ça boy. Qu'elle font les piments, qu'elle fait la bordellerie. On t'a dit qu'elle font les piments. Yoga. Bon, mon inanangaye, avant tout, pardon. Mais faut qu'on tourne à qu'avant. Tu vois ta petite, elle est bien. Ce que les gens racontent là, c'était avant. Tu connais sa folie Lili et son côté comique. Ça, on l'a essayé, tu sais qu'elle est très timide. Ça paie ses amis. Elle vendait le bord, c'est ce qu'on t'a raconté, je sais. Regarde son corps, façon elle est bonne. En plus, elle est très fidèle. Combien de fois qu'on s'est mis au pardon? Pourtant, tu sais qu'elle a rien fait. Pour toi, la petite est pardonne. Mais toi, en retour, tu veux rien faire. Bon, t'as la simazonga moto, Luka Mayo pour ma moto. Tu vois la vie c'est comme ça, Bakoya ko change au combo. Je t'aime mon amour, commis à Koya Yake Luka Moro. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hier c'était ta petite, c'était une pire folie. Mais quand on t'a dit que la go faisait ceci, t'as pris ta décision sans même l'écouter. Qu'elle vend les piments, qu'elle fait la bordellerie. On t'a dit qu'elle vend les piments. Le terrible, le boss du cartel. Y'a que réel, y'a que V-Pronk. N'y n'a pensé vu que Pili n'a mon frère, n'y n'a vif n'a pente. Déjà de 1 aux affilins, de 2 aux apiaka, de 3 n'a mbet aux apolars. Finalement tu sers à rien. Et bien là bas soit vous quoi nous. Est-ce qu'on sera là la famille? Tova n'a m'en boye beau soigné. Alinga yo qu'on a souffri. Papa yé bio, maman yé bio. Est-ce que nous qu'on a bangwa yé bio? Malé qui n'a yé, ba yé bio. Zota moi n'a pas que Oman Bonda. Mi colonia so kaka tout koutou. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hier c'était ta petite, c'était une pire folie. Mais quand on t'a dit que la go faisait ceci, t'as pris ta décision sans même l'écouter.
bande ko ya gigi. Aboko bona bino moko ba magnifique. Kuwakani. Du bruit pour Zouko, s'il vous plaît, la famille. Oh, il est bizarre, votre bruit. Zouko, j'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi, mon ami. Où vas-tu? Non? Tu m'as donné ta veste. J'ai gratté une veste. Bon, comprends, il y a faute, Nanga. J'ai gratté une veste. J'ai gratté une veste. Bien, Zouko. Mon frère, je te rends ta veste, elle est trop magnifique. Tu peux pas dissocier l'ensemble. Tu peux pas faire ça. C'est trop joli. Tu peux pas faire ça? Zouko, tu sais qu'il y a un rituel dans les légendes urbaines qui est de passer un message universel. Ouais. On est suivi dans le monde entier. Yes. Quel serait le message que tu passes? Déjà, merci à les légendes urbaines. Dans la bête, on a Mangal. Hein? Il y a le monde entier, mais bah, il y a une traduction à Mangal et ça, c'est bien. Bon côté. Ah, vous comprenez? Voilà. Donc, merci. Merci à la légende urbaine pour une opportunité. Quoi. Parce que n'importe quel bord, si vous avez une bonne idée, c'est que je suis un peu plus. Je suis un peu Juliette. Yes, I. Félicitations à la légende de Jesse B. Je suis un peu plus Jesse B. Je suis un peu plus Jesse B. Voilà. Je suis un peu plus Jesse B. Je suis un peu plus Jesse B. Je suis un peu plus. Bolobi? Bolobi? Togo Salango bien. Ma bonne bonne à Juliette. Yes! Et bientôt dans les gens de Urbaine. Zouko. Merci beaucoup, mon frère. La famille, vous êtes toujours là? On va accueillir l'un des fers de lance du rap congolais. Il a été finaliste du prix Découverte, d'ailleurs. Aussi. Ça a été difficile en plus, parce que franchement. Il a tellement de talent. Il est vainqueur du Brazza Best Award. Sa bio est tellement longue que je vais faire court parce que vous le connaissez déjà toutes et tous. Il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Extrême. Ce monsieur a énormément de charisme, énormément d'esprit. Il s'est allié le 2.0 et la conscience. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour le boss Nick Sozaï, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire ça pour Nick Sozaï, s'il vous plaît? Etamboli! Ok. Etamboli! Bokangaguna, Bokangaguna, Bokangaguna! Voilà. Comment tu vas, mon frère? Oui, ça va bien, super, super. T'as la forme? Ouais, la forme, toujours. Bon. Nouvel album, là. Extrême, t'es en plein de promo en ce moment. Ouais, en pleine promo. Et là, on est proche du disque d'or congolais, d'avoir le premier disque magnifique d'or made in Congo. Voilà, ça a été créé par le BCDA et une plateforme qu'on appelle GoTunes. Ouais. Ouais. On fête ça quand alors? Bientôt, dans quelques jours. On va être au courant. Hein. Ah ouais, on va être les premiers bien au courant sûr. Parce que vraiment, ouais. 15 ans de carrière, ah ouais. Course de fond incroyable. Merci. T'as fait plein de choses, t'es même allé au Cameroun, t'es revenu. Uh-huh. Et en 2019, t'as fait un truc qui est très rare chez les artistes, mm-hmm. C'est de monter un label. 87 Industries. Ouais, avec mon associé Djengombe. Voilà, on l'a monté à deux. T'as monté une émission aussi, Le Couloir, avec DJ Boogie Black. Ouais. Pour mettre en avant des artistes locaux. Mm-hmm. Et moi, je note toujours ça. Je trouve ça toujours formidable quand des artistes décident de mettre en avant d'autres artistes. Mm-hmm. Parce que c'est pas si simple que ça. Ah, c'est très dur. D'où part ta démarche? C'est une histoire de transmission, Nix? Bah, moi, je suis quelqu'un à la base qui aime créer, qui aime l'innovation. Donc, je voulais faire un truc pour les jeunes parce que je me suis dit qu'il y a plusieurs jeunes qui sont beaucoup plus talentueux que moi, qui sont dans les quartiers, qui rappent chez eux à la maison, tu vois. Donc, je voulais leur donner une plateforme d'expression. Voilà, après, le monde peut leur découvrir comme ça. Moi, j'ai fait mon boulot, ça va, quoi. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de budget. Voilà, et là, on va bientôt lancer la deuxième saison. Voilà. Magnifique. Le Couloir, on peut le suivre sur les réseaux, sur Internet aussi. Ah, yeah. Le Couloir, on va follow parce que franchement, c'est formidable. T'es aussi, y a un truc qui me frappe chez toi, tu vois, mais c'est toujours ça, c'est la conscience. Tu transmets aux plus jeunes, t'as envie d'aider.
Tu sais surfer, t'es l'un des rares qui sait faire de l'ego trip, du 2.0, mais qui envoie aussi beaucoup de textes conscients. Comment tu doses? Comment tu fais ta recette? Bah, en vrai, chaque fois qu'on m'a posé cette question, j'ai toujours dit que je ne savais pas comment ça se passait. Pour moi, être inspiré, c'est comme être en transe, tu vois. Deux fois quand je finis de travailler au studio, je me dis, comment j'ai fait ça? Voilà, c'est un don du ciel et voilà. T'es en écriture automatique? Ouais, écriture automatique. Ouais, enfin bon, il y a le cerveau et le cœur quand même dans cette histoire. Merci. Parce que l'écriture est quand même prédominante chez toi et importante. Il y a des gens qui t'inspirent pour l'écriture? Ouais, Lil Wayne, par exemple, ouais, moi j'ai commencé... Bon, en vrai, quand j'ai commencé à écouter du rap, le premier rappeur que j'ai écouté, c'était 50 Cent. Ensuite, j'ai découvert Lil Wayne et j'ai aimé la vibe, d'où mon timbre de voix. C'est un peu de Lil Wayne avec du Nick Sosaï associé, voilà quoi. Dakar Torture, best album. Merci. Un conseil aux plus jeunes avant de te faire prendre place sur la scène pour faire un truc en plus assez exceptionnel que tu nous as concocté. Ouais, je voudrais passer ce message aux plus jeunes, surtout aux jeunes artistes. N'attendez pas un producteur pour lancer votre carrière, parce que ici beaucoup de jeunes se plaignent de ne pas avoir des gens qui misent sur la musique ici. On est une industrie qui est en train de se développer petit à petit, on est encore embryonnaire, donc voilà. Si tu veux monter ta carrière, commence à faire tout seul. Et petit à petit, tu vas te vendre, tu auras plus de valeur, les gens vont venir vers toi. Voilà, c'est le message que je voulais passer. C'est paradoxal. Ce qui est fou, c'est que tu dis c'est embryonnaire, mais c'est l'industrie qui l'est. Parce que vous influencez définitivement le reste du monde. Tu as vu, nous on a fait un teaser il n'y a pas très longtemps dans Légendes Urbaines, où je ne peux même pas citer le nombre de rappeurs qui disent qu'en fait finalement l'inspiration vient du Congo. Donc tu vois, l'inspiration n'est pas embryonnaire en tout cas. Tu nous fais un cadeau ce soir, c'est de faire un medley en fait. Ah ouais. Je t'ai demandé de choisir un titre et t'as dit, bah non, je vais faire un petit mix de mes bangers. Bah voilà, je voulais faire plaisir aux Congolais, faire plaisir au monde entier. Voilà, photo bêta extrême, Lelo. Non, c'est Sabino quoi. Your turn. À toi de jouer, mon frère. Merci, Nix. Je vais reprendre ce micro et on va te donner l'autre là-bas. Yeah. Et Tamboli. Tous les gars, DJ Boka, 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 Boka. Basarabe formé sa kakamesse. Cette ballon d'or a peu chose à aimer. Si trop d'avancé mettant à bas kilomètre. Et l'oko sa awate, je suis le seul maître. Baye bien, il veut pas admettre. Température et ma type à thermomètre. Vous là-bas, il je contrôle la météo. Contrôler le masolo, mais mal au bâtiment. N'a de force à caté, j'en se tue à la tibia. L'indana nambona na kacha makila. Montre à coco les kakakeza et kila. Yeah. Montez les mamans, mon colicolo. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Balobi Miki Tissapon Damba Tombolo. Succès l'enquoi chanté Neti Tombola. Travail égal à réussite à Bosolo. Dans mon nom rappé. Mais quoi l'Ibo les fous? Maman c'est Nana Kacha Game. Mais c'est moi le game. L'Ibo Mina Mbeto Maïs c'est ma name. Batou pas confondre à tes phénomènes. Naboya Bajuda Nalu Solidaire. Mais quand l'autre hustling à me hustle. Nana Bino mais je ne suis pas d'ici là. On a choisi ma peine à Bola Moukobo. Ça n'a jamais que tout se fait ici bas. Trop d'ambition je reste comme un fou allié. Tosoro la mais sous faut aligner. Ce qui va vendre les mokili, Nami Ponaka, c'est sur moi que j'ai parié. Yeah! Et Kenge toujours net moté qui noir. Mais! Nami Monate, Namone Longa, les gens n'a kacha miroir. Yeah! Yeah! Chaque mouté bébé bembe na ena kacha tiroir. Je ne sais bon à moukolo, tout ça la différence, ça fait vina Instagram. Bro! Yeah! Hey! Excel. Bonjour les légendes! Et tu votes les mots. Mon pilon même en amour, il policia au sengé va papier. Balaki c'est mi kanda lobby, est-ce que non y'a pas papier? Moko yoka ba problème. Locataire a zui maman l'opango enceinte. Quartier mobi m'alerté. Basogi songi ba seki. Dans tous les secteurs ça pété. Kuna pasta wana zana bandi me belé. Lundi, mardi, mercredi, faux ba soeur balala na veillé. Si mami kole leki, soeur koma na palais. Fouka ma photo prié, papa collier vaseline. C'est le pétage, c'est les problèmes.
pétage. On y va, on y va, on y va, on y va. On est dans le pétage. Bébé, il y a pas de problème. Ah ouais, dans le pétage. Ok, 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 on y va. Pétage. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, on est dans le pétage. Populaire, on est joué, massacré, banao, cabo la badouze. Bah, mon ini voit les boulons, n'a tiki na game. Baboule, keza partout, bolou, kabi sauté, potos à partout. Y'a pas de qui la pote d'amakatou. A toi, qui n'a pas boîte, toi, koyo, kanga, la matanga, net, Samuel, matou. Bon, moni comparaison, pèse raison, bolier, bouma, bololo, bobou, les raisins, so, boyo, qui tu donnes, c'est nous dans la maison, li bang, et quoi, ils s'endèquent, et kana, mais, en vrai, ça va comparer, bah, on a biso. Biso, tout au damé, mais bin, on a full, ou biso, toi, on a messa. Panama, moi, c'est tout pour ma relation. Panama, moi, c'est tout, caca, relation. On peut vite à vous, avec, avec mon nom. On est bien. Viens, t'as, viens, t'as, viens. Tous les niamadjo, bloqué, bloqué. Hypocrite, bloqué, bloqué. Tous les niamadjo, bloqué, bloqué. Merci la famille. Ah ouais, ça fait des surprises carrément magnifiques, frérot. Dix, attends. J'ai pas fini avec toi. Attends. Yeah. Ah ouais, tu nous fais des guest stars. Ah ouais, moi je voulais vraiment faire un spectacle, même s'il n'y avait pas assez de temps. Voilà. Bravo. Mais ça revient justement à la même chose qu'on se disait tout à l'heure, c'est que tu aimes transmettre et donner de la force et de la lumière. Un message universel pour les millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Ok, un message universel. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à ça et moi je voulais vraiment faire un big up à nos frères et sœurs qui sont en face en RDC. Il y a un génocide en RDC, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Voilà, car la vie, toutes les vies humaines comptent. On est ensemble. C'est le GOAT. Nixo et Tamboli. Merci pour ça. Merci. Merci mon frère. La famille, vous êtes toujours là? Si je vous dis... Ah mais non, j'ai encore une surprise. Moi, je vais faire des lancements, puis j'ai des surprises. On a encore une petite surprise pour vous. La famille, la DBMF, grosse fort la légende urbaine qui sont en direct de Brazzaville. Je fais plein de bisous, Mendeco. On se voit très bientôt, la famille. Bra la famille. Comme balader du bruit pour lui, s'il vous plaît. Bon, l'équipe, si je vous dis Rapapomba. Si je vous dis que le gars est musclé, là. Et qu'en même temps, le gars bouge, je sais même pas comment il fait pour bouger aussi bien. Parce qu'il est Golgoth quand même. Il cumule les distinctions, je peux même pas... Toutes les cités, ça va être trop long. C'est une bête de scène. Il est incroyable. Il a même créé un style musical. Le rombolo, voilà, au plus grand des calmes. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour un énorme artiste et néanmoins mon frère. Mon cher frère, Maralbum à l'échec, s'il vous plaît. Le gars fait du sport. Hein. Est-ce qu'on peut applaudir pour Juliette, s'il vous plaît? Ouais, Brazzaville. Maralba. Non, merci Juju, merci pour la présentation déjà. Et merci aujourd'hui de nous recevoir dans les Légendes Urbaines. Merci voilà. À vous de m'accueillir, ça dit, de nous accueillir avec toute l'équipe d'RFI. Voilà. C'est un plaisir pour nous, toute l'équipe d'RFI, d'être là. On est ravis. Et puis tu sais à quel point je suis ravi de... Évidemment, il y a le prix découverte et puis de faire un Légendes Urbaines.
On en a parlé pendant des années de cette histoire. Oui, c'est vrai que ça fait très longtemps, depuis les beautés hip-hop. Après, je pense qu'on a même une vieille interview, voilà, comme ça, de légendes urbaines. Là, là, la cafette. Et il y a tellement de choses, il y a tellement d'histoires. Et moi, je suis content de te revoir et je suis très heureux. Voilà. Et toi, tu sais ce que c'est ? Les courses de fond. Parce que finalement, tu rappes depuis tellement longtemps. Depuis Rap à Pumba, il s'est passé tellement de choses. Comment tu tiens le cardio, là ? Tu gères la musique comme tu gères le sport ? Oui, Juju, j'ai toujours dit que tu vois, la musique, c'est comme le marathon. Voilà, et je veux dire ça fort pour tout le monde. Et c'est la même logique pour la vie. La vie, comme la musique, c'est un marathon. Il ne suffit pas de courir très vite. Il suffit de courir longtemps. Ça veut dire qu'il faut gérer son cardio. Il faut gérer son souffle. C'est pas un sprint, la musique. C'est un marathon. Quand l'autre, il prend de l'avance, toi, tu essaies de te gérer ton souffle pour pouvoir remonter au prochain tour. Voilà. Et c'est ça. Il n'y a pas un autre secret, c'est tout. Et c'est pareil pour la vie. Ça veut dire que tu vas te contenter de ce que tu as en ce moment et tu laisses les autres faire ce qu'ils ont en ce moment. Et ton tour, il viendra où tu vas remonter. Voilà, remonter les distances et ensuite rattraper tout le monde. Voilà, c'est simple. Et en plus, t'es créatif. À chaque fois, t'inventes des nouveaux flows, des nouveaux styles. Tu mélanges le dambolo, le rap. Du coup, t'appelles ça le rombolo. T'inventes toujours des nouveaux concepts. Tu intègres l'exercice physique dont on parlera après. D'où vient ta source, en fait, finalement ? Parce que c'est toi qui crée les tendances, finalement. Oui, Juju, en fait, moi, j'ai un secret. C'est que je m'inspire de tout ce qui se passe ailleurs et j'essaie d'adapter ça à mon domaine. Tu vois, aujourd'hui, un boutiquier, voilà, un magasin qui vend des articles, peut vendre pendant 3 mois, 6 mois. Mais à un moment, quand les clients ont l'impression de voir les mêmes articles au même endroit, qu'est-ce qu'ils font ? C'est un petit jeu. Ils bouleversent seulement les articles. Et tu as l'impression qu'il y a une nouvelle marchandise qui est entrée. Et même pour les restaurants, quelquefois, ils réaménagent, ils changent la peinture. Et c'est pour que c'est l'effet nouveau. Et c'est la même idée, c'est la même conception que moi, je mets dans la musique. Donc, ça dit que les temps traversent le temps, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il faut essayer de s'adapter, mais sans perdre son authenticité. Et ça, c'est important. Voilà. Ah, la marque, mais c'est devenu une marque de fabrique, Maralva Maléchek. C'est une marque de fabrique. Tu célèbres la musculation, souvent. Dans le titre que tu vas nous interpréter, Natolo, tu fais un hommage à ton maître qui t'a enseigné le culturisme. Maître Capot. Voilà. Donc peut-être que tu veux lui rendre oui. Hommage déjà. Je veux dire d'où il est depuis là-haut. Que la terre lui soit légère. Maître Capot, je pense à toi et merci pour tout. Merci pour Rap à Pumba. Et aujourd'hui, je suis là. Que ton âme repose en paix. Immortel, Maître Capot, bulldozer. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce titre aussi. C'est que tu pousses les gens à l'estime de soi via le corps aussi. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que moi, la première fois que je t'ai découvert, il y a plusieurs années maintenant, t'es Golgoth comme ça là. Et pourtant, tu fais des trucs de fou avec ton corps. T'es un danseur de dingue. C'est un danseur de dingue. Il est incroyable. Il est incroyable. Franchement. Tu vas nous faire des trucs de fou, là, c'est sûr. Oui, mais c'est tout ce qu'on a choisi comme taf, Juliette. Tu veux que je fasse quoi ? Que non, je frime ces gens-là ? Que je fasse la star quand ils me demandent de danser ? Je peux pas. C'est eux qui me payent. Mais l'estime de soi... C'est eux qui me permettent de payer mes factures. Je suis obligé de transpirer devant eux. T'as raison. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas d'artiste sans public. C'est clair. Mais l'estime de soi via le corps, via le fait de prendre soin de soi... Ou en tout cas de s'assumer tel qu'on est. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, ça c'est un conseil de mon père. Père son âme, je l'ai perdu l'année passée. Et il m'a toujours dit, fiston, il faut avoir de l'orgueil. Pas de l'orgueil mal placé, mais de l'orgueil personnel. De l'estime de soi. Voilà, et c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Et ça, je l'ai appris de mon père. Je l'applique toujours. Je te respecte. Autant que tu te fais respecter. Mais quand tu veux mal utiliser mon respect pour toi, pour me descendre, pour me dénigrer, je t'apprends que je reste un homme. Et c'est comme ça que je prouve. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre toujours à tous ceux qui m'écoutent.
Voilà. Et je suis surtout contre l'injustice. Quelquefois, je rentre dans... Pour prouver qu'on a de l'estime de soi, je me mets quelquefois en danger. Je rentre certes quelquefois dans des guerres que tout le monde évite. Mais pour leur prouver que quand on croit en soi, on peut déplacer tout ce qui est devant nous. Et aujourd'hui, si tu veux, je suis la boîte noire ou si tu veux, voilà, la cible de tout le monde parce que je veux que tout le monde comprenne qu'il faut qu'on se respecte et qu'on respecte l'estime de tout un chacun. Voilà. Et c'est comme ça que j'essaie de transformer ça de temps en temps dans ma musique. C'est important. Et tu le fais à merveille. On t'attend, hein, à Paris, frérot. Merci, Juju. Ouais, Paris, on va arriver. On t'attend. Voilà. C'est vrai que j'ai raté d'être là pour le concert de mon grand frère Oga au Casino de Paris. Et on devait être là normalement avec Koffi de Brazza. Mais voilà, il y a eu des choses qui se sont passées que je vais taire contractuellement, hein, professionnellement, qui m'ont empêché de me rendre à Paris. Mais Paris, c'est très bientôt. Il faut avoir confiance en le timing. Ouais. En l'alignement des planètes. Voilà. Tu y arriveras toujours. On n'est pas pressé. Course de fond, frère. Allez, direct. On va Natolo, c'est parti. Ah, c'est ça y est, c'est parti pour laisser une émission. Le vrai micro, radio, il est là-bas. Le vrai, il est là. Je prends celui-là, je reprends celui-là. Merci, frère. Voyons bon là-bas, maître. Mabina na biso. Che biso awa bitumana tina kotanga mokongo na seza ekila. Yo. Ah? Boraba pomba. Ah? Je suis le seul et l'unique. Partout na leka. Ditembo maseke. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tout le monde, tout le monde. Braza, est-ce que ça va en Borolikolo Togelango? Yeah. Oh, Baraba maître. Mabina na biso. Che biso awa bitu manatina. Botanga mokongo na seza ekila. Yo. Na tolo. Ah. Dobina na tolo. Baraba pomba. Na tolo. Dobina na tolo. Oh, Baraba maître. Mabina na biso. Che biso awa bitumana tina kotanga mokongo na seza ekina. Yo na tolo. Dobina na tolo. Bora ba bomba. Na tolo. Ah. Dobina na tolo. Tia. Mili komba zero defaite 999 KO. Yakanga Francis ingano maloba nzambe na bango. Mokolo rapa moye moko yeyo o anate mataka fwen. Baba lusinga biloko nanga mi pompe sanga ta mwatina te. Bapeto babi makiba si basili me grametra gawana. Yana mo simple longola soni seka ko ume la kashenga. Wana tembe fort fona frappa abino chaque année. Tout ce que je fais là ce n'est que pour vous. Moi je n'ai plus rien à prouver. Je reconnais ma ben nanga na sala na barampère comme je l'avoue. Victime aliboso a qui ma néglige. Moka monene ne Congo a diversé nanga. Boba nanga pourquoi na elima je sais. Aboma la belle aba ou. Kosi la nanga ba ose lango. Oyo bora ba metre. Mabina na biso. Che biso awa bituma na tina botanga mokongo na seza ekila. Yo na tolo. Dobina na tolo. Bora ba pomba. Na tolo. Tout le monde, oyo bora ba maître, mabina na biso, che biso awa bituma na tina kotanga mokongo na seza ekina. Yo na tolo, dobina na tolo, maboro likolo tout le monde, chokolongo tout le monde, la kisa nyoka, depuis tobali kita mabe, chokolongo tout le monde, la kisa etoke, yo. Abundi baga na bandela na na iva eva ke chame osima. Oyo bora ba metre. Mabina na biso. Che biso awa bituma na tina kotanga mokongo na seza ekila. Yo na tolo. Dobina na tolo. Bana EFC maboko likolo tout le monde. Gauche. Yo na tolo. Tout le monde. Tout le monde. Na gauche. Na tolo. Tout le monde. Ne rabino tse. Tout le monde, t'as qu'à l'amour. Deux. Yo, ah, t'as qu'à l'amour, les
encore le chouchou. 3, 1, IFC, côté rock, tout le monde. 4, côté Kuna, Tchavenango, tout le monde. 5, on a IFC, Gillette et Fieza, Yoka. 6, yo, on a Proto, Yoka. Oh, on va rabat mettre. Ma bine à la viso. Chez Biso, Awa, Bitouma, Natina. Botanga, Mokongo, na Seza, Ekila. Yo, Natolo. Tobina Natolo. Natolo. Tobina Natolo. Est-ce que ça va, Brazzaville? Alors. J'ai Mandola, j'ai Mandélé. Laquelle je vais gérer. Soit à la gnagne ou la monnaie. Merci Brazzaville. Merci Juju. Du bruit pour Maral Bama l'échec, s'il vous plaît. Oh là là, c'est la fin de soirée là. Quand même, ils sont fatigués tes gars. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Ah, vous êtes fatigués. Ah, vous êtes fatigués. Tout le monde, vous êtes fatigué. T'as vu, ils sont jamais fatigués. Maralva. Eh, toujours aussi impressionné. Il est incroyable. Moi, tu m'impressionnes, mon frère. Mon frère, tu sais, petit rituel, tu connais l'histoire. Message universel, parce qu'on est ici ce soir à Brazza. Mais on est suivi via RFI, France 24, dans le monde entier. Quel serait le message universel que tu voudrais passer? Merci Juju pour ce grand plateau. Voilà. J'ai envie de passer un seul message au monde entier. Je veux parler à l'Occident. Je ne sais pas laquelle des caméras je vais regarder. Laquelle? Je vais choisir. Benjamin, laquelle des caméras je peux regarder? Celle-ci? Ok. Voilà. Je suis Maral Bama l'échec, je suis artiste rappeur congolais. Et j'ai un message très important au monde entier. Aux Occidentaux, vous savez. Notre terre est remplie de richesses, remplie de mines, tout ce qui vous intéresse. On peut bien vous les donner avec diplomatie, avec un vrai échange gagnant-gagnant. Mais vous n'êtes pas obligé de créer des guerres pour que nous perdions nos familles, nos enfants, nos sœurs, nos mères. Et ça, j'envoie ce message pour l'est de la RDC, dans la partie du Nord Kivu, où beaucoup d'enfants perdent des vies tous les jours à cause du M23. Et on voudrait que la guerre cesse. Et qu'on instaure la paix à l'est de la RDC. S'il vous plaît, RDC, peace. Merci beaucoup. Merci, Juju. Du bruit pour Maralba, s'il vous plaît. La famille. La famille, la famille, la famille, la famille. Je voudrais remercier plusieurs personnes, c'est important. Mon double. Julien Maguarou, le réalisateur de Légendes Urbaines. Kama, Wassim, Benjamin Avayou. Eh les gars, je vous aime, vous êtes des cassos, mais je vous aime. Romain Ferret, Dominique Fian, Léo Bernard. L'équipe de l'IFC, Romaric, Nietzsche, Hergé, Galilée, Teddy, Asso, Sapoulé et son équipe. L'équipe de la com, Sylvie et Corentin. Le Big Boss, qu'on a pu voir il y a quelques jours. Pour le prix découverte RFI, Monsieur Jean-Marc Four, Grégor Germain, Barbara Jean, Barbara, Barbie, a.k.a. Barbie, Alexandre Bécher du PFACO, et une spéciale pour ma sœur Marie Odigé. La famille, c'est laquelle ma caméra? Celle-ci ou celle-ci? 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 C'est toi Léo? Merci du fond du cœur, Brazza, c'était juste incroyable. J'espère... À bientôt. Paix, amour, lumière sur vous. One love. Bisson à bisson, ensemble la famille jusqu'au ciel. On est ensemble. Ah, que de souvenirs et quel niveau. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue et l'intégralité des lives de tous ces formidables artistes. Et puis rendez-vous aussi la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love, la famille.